Bonjour à tous, c'est Céline Scrap, je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2023. Il y a quelque temps que je n'avais pas filmé, après je vous l'avais dit, ça sera un peu plus compliqué, dirons-nous, puisque des fois j'ai mon fils, des fois je ne l'ai pas. Ça sera pas toujours facile de filmer, mais j'essaye un maximum. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le 3 février. 3 février, 3 janvier, ça va pas. Je souhaite à tous et à toutes, vous souhaitez une très très bonne année 2023. Vous souhaitez plein de bonnes choses et surtout la santé. Voilà. Je vous fais cette petite vidéo parce que je suis allée à Noz aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on est mardi. Vous allez tous me dire, mais c'est pas ton jour où tu filmes. Et oui, c'est pas le jour où je vais normalement à Saint-Gaud, chez Noz et chez Action. Mais là, exceptionnellement, oui, parce qu'en fait, nous avons fermé deux mardis, le mardi après Noël, le 27, donc, et le 3, mardi 3 janvier. Ça a vraiment, mais vraiment fait du bien. Ça m'a fait réaliser que j'aurais vraiment besoin de ce jour supplémentaire pour avoir au moins deux vrais jours de repos et pouvoir me poser sincèrement. Voilà, calmement et posément. Mais malheureusement, mon frère l'a envisagé et ça a vite été rejeté par mon père. C'est comme ça. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Mais écoute, on a goûté un petit peu à ça et ça fait du bien, une vraie pause, parce que les derniers jours ont été très compliqués. Les fêtes ont été très très dures, on va dire. Concentré sur un week-end, ça a été l'enfer. Et voilà. Après, j'ai pas perdu de morale, je me suis acheté ce qu'il fallait pour tenir bon. Je vous montre, voilà, After Eight. Alors ça, c'est mon péché mignon. Seulement, la dernière fois, j'ai voulu, mon frère m'en a offert pour mon anniversaire, qui ont été très vite dévorés puisque mon fils m'aide pour ça aussi. Et je m'en suis racheté au Leclerc, mais je trouvais la boîte très jolie. J'ai dit, ah, c'est sympa, rouge comme ça, spécial Noël sûrement. Non, c'est des After Eight, menthe et cerise. Bon, après, je vous dirais que ça ne va pas empêcher de les manger. Je pense que vous ne verrez pas, mais il ne reste que ça. Là, il n'y a plus rien. Ça, c'est mon péché mignon, menthe de Noël. Mon grand-père avait l'habitude de m'en offrir toujours une boîte et c'est resté. Je vais même vous dire, mon fils adore ces chocolats. Quand il me voit avec une boîte, il devient fou. Voilà, bon allez, je vous fais cette petite vidéo. On va essayer qu'elle soit rapide. Voilà, comme je vous disais, je vous souhaite pour cette nouvelle année plein de bonnes choses. Réussite, mais surtout la santé. Je sais à quel point c'est important la santé. Voilà, je passe du coq à l'âne, je reviens. Voilà, je reviens. Donc, je suis allée me faire un petit tour à Noz et à Action. Alors, à Noz et à Action. À Noz, j'y suis surtout allée pour l'arrivage gorgeous. Voilà. Donc, il y en avait, je vais vous le montrer. Je vais d'abord vous montrer Noz. Action, je veux dire. J'y suis allée pas trop pour le scrap. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, je ne trouve vraiment pas grand-chose au niveau du scrap. J'y suis allée me chercher des boîtes de conservation, des choses autres, dirons-nous. Alors, on va dire entre guillemets scrap, j'ai trouvé ceci. C'était un bullet journal. Alors, j'en ai plein, mais je craque à chaque fois parce que je les adore. Ceux de chez Action. C'était 2 et quelques. Alors, je ne sais plus le prix. Voilà. Dedans, donc, vous avez des stickers. Petite planche de stickers. Deux planches de stickers. Je vous montre les deux planches. Voilà. Et après, vous avez du papier. Donc, vous avez des feuilles blanches, des feuilles noires et des feuilles craft. Je vais vous lire exactement ce qu'il y a dedans, puisque c'est, nous avons bullet journal, il y a 78 feuilles de 120 grammes. Voilà. C'est vrai que j'adore écrire, j'aime beaucoup écrire. À l'époque, quand j'allais chez la psychologue, m'avait dit que ça faisait beaucoup de bien d'écrire. Donc, vous voyez, ça, c'était un petit journal que j'avais acheté chez Noz de chez Santoro. Voilà.
Oui, je mets sur le papier, je vous montre pas parce que c'est personnel. J'y mets ce que j'ai sur le cœur à l'instant T, quand j'ai un souci ou quoi que ce soit, que je suis pas bien, pour X ou Y raison, le boulot, mon fils, mon ex, même si franchement, bon, ça s'est calmé avec lui. Donc, je marque. Et ça fait énormément de bien de se vider la tête et de le marquer là-dessus, noir sur blanc. Voilà. Donc, je suis allée en ose. Voilà. 59 euros. Bon, après, il y avait des choses un peu chères, donc ça monte vite. Hein. Voilà. Action, mon Dieu. J'ai oublié de vous montrer. Donc, j'ai trouvé ceci. Et voilà, le retour des mini blenders. Vous savez, on s'en sert. J'en ai. Elles étaient vertes, sans me souvenir. 1,49€ parce que j'ai bien regardé le prix, parce que je sais que tout a affreusement augmenté. Je pense que vous ne serez pas les seuls à... Et donc, ils ont fait une nouvelle formule, des nouveaux blenders. Voilà. Moi, je m'en sers pour le scrap, comme la plupart d'entre vous. On étale l'encre et on met dans le pochoir ou pour faire des fonds. Et en fait, j'en ai pris deux parce que j'ai adoré le design. Je suis une gosse. Je tiens à le préciser quand même. Voilà, cet imprimé un peu holographique, licorne. Voilà. Je crois qu'avant, on les payait 1 euro ou 1,29 €. Là, 1,49 €. Ça reste un peu cher. Mais après, moi, j'en suis plutôt contente. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec, mais moi, j'en suis plutôt contente. J'ai fait les pochoirs avec et je trouve ça très agréable. Normalement, oui, c'est pour le maquillage. Mais j'avoue que pour le maquillage, moi, j'y suis jamais, vous voyez, j'y suis jamais arrivée. J'ai les pinceaux classiques. Comme j'avais pris les pinceaux en silicone, j'avoue que pour le maquillage, j'y arrive pas du tout. Il y en a qui arrivent bien, moi, c'est pas du tout le cas. Donc, on revient à nos moutons. On revient à Noz. Donc, voilà, Noz, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté ce bouquet de fleurs séchées de la marque Atmosfera. Alors, je les ai vues marquées. Maintenant, je peux le revoir. Oui, c'est Atmosfera. Attendez. Oui, il y a l'étiquette Atmosfera. Et dessus, nous avons marqué Atmosfera Nam Nam. Ça devait être le nom d'une collection hindoue. Ces fleurs séchées, c'était 5,99 €. Alors, j'ai pris des fleurs séchées. Moi, pour m'en servir, je vais prendre quelques branches pour mettre dans des petites vases que j'ai à la maison, là-haut, que j'avais achetées à Action. Donc pour les y mettre dedans, et celles qui restent, je pense en mettre un petit peu dans mon scrap parce que ça me donne bien envie. Alors pas les grosses fleurs, mais les toutes petites. Alors je sais pas si vous verrez bien, vous voyez les toutes petites là. Vous voyez juste des petits brins comme ça, très fin. Les mettre sur le scrap, ça peut, je pense que ça peut faire un très très bel effet. Voilà. Ensuite, un presse à fruits, voilà. Je l'ai pris, ça vous permet de faire les vinaigrettes, on peut y faire plein de choses dedans. 3,99 €. Ça, je l'avais déjà vu, moi, passer. Croyez-moi, ce n'était pas ce prix-là. Je l'avais vu à plus de 20 euros. Rien eu de cassé, c'est bon. Donc, voilà. Pour vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Voilà. Manger sain. Manger bon, manger bien. 5 euros. Voilà. Voilà. Alors, dans les arrivages, il y avait deux arrivages. Donc, le premier, c'était Docraft. Docraft, nous avions, nous, du papier. C'est pas souvent le cas. Donc, j'en ai profité. Nous avions dans la collection Butterfly Kisses. Alors, c'est une collection, je crois que j'ai déjà eu des éléments. Je pense que souvent, ça arrive que Noz livre
Nous avons quelques éléments. Et puis, la fois d'après, encore quelques autres éléments. Je pense que les livraisons sont totalement aléatoires. Là, plutôt respecter la livraison. Donc, beaucoup de choses de cette collection dans l'arrivage. Il y avait du papier. Donc, nous avions ce papier. Ça, c'est du 20 par 20, oui. Butterfly Kisses. Et dedans, nous avons 36 papiers. La devanture est magnifique. La couverture est magnifique. Est-ce qu'il y a le grammage du papier? 150 grammes, c'est du cardstock. Voilà. Vous avez présent derrière. Toujours dans la même gamme, là, vous en aviez beaucoup. Pour 4,99 €, nous avons les 30-30. Hop. Là, je l'avais pas vu. Sur le clair, ça doit se voir. Je viens de voir que dans un angle, vous voyez. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est du gras qui a coulé dans le magasin ou si c'est bon, on camouflera, on arrivera bien à. Et donc on a à peu près les mêmes papiers mais hein, 30 par 30. On va revenir à nos moutons. Voilà, donc toujours pareil, 36 feuilles, 150 grammes. La couverture est en relief. Voilà. Alors, toujours dans la collection Butterfly. Alors, on va essayer. Nous avions ces petits boutons en tissu. Alors, ils mettent Fabric Prat. Pour 99 centimes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toujours la collection Butterfly. Donc, là, j'en ai pris deux. Parce que j'ai dit qu'avec les deux papiers. Ensuite, pour 1,99 €, vous aviez ces dies. Alors, moi, je crois que j'ai vu d'autres éléments, des stickers notamment, à chercher. Quand je déménagerai, je pourrai le ranger. Voilà. I have a lovely day, le papillon, best wish, meilleur souhait, voilà. Bon, c'est toujours écrit en anglais. Alors, toujours dans le même arrivage, mais par contre, notre collection. Voilà l'explication. Je vais vite tout ramasser. L'explication, vous l'avez là. J'ai acheté des huiles essentielles qui ont coulé au fond. Super. Bon, on va tout nettoyer. On va surtout bien tout vider. Qu'il n'y ait plus trop de bordel. Désolée, les aléas de la de filmer en direct. Voilà. Donc maintenant, je comprends d'où venait l'auréole qui était sur le papier. Ça n'est pas de l'origine, c'était juste une huile essentielle qui a. Dommage, ça était très bon. Qui a coulé. Elle s'est dévissée en fait, tout simplement. Je vous explique. Voilà. Donc, hop, on va mettre en pause. Excusez-moi, ça y est, j'ai fait un petit peu de nettoyage histoire de limiter les dégâts. Donc, on revient à nos moutons. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans l'arrivage d'Ocraft. Alors, j'en étais le papier, les dies, ça, c'était de la collection Butterfly. Ensuite, Fall in Love, tomber amoureux, nous avions ce lot de deux cadres pour 59 centimes. Deux fois deux cadres. Voilà, pour 59 centimes. Ensuite, vous aviez ceci. Bon, je sais qu'on en a à des lettres Thaïs, façon Scrabble.
Alors, je sais qu'il y en a à... Elles sont un vrai bois. Action. Je les ai juste là. Alors là, celles-là, l'avantage, elles sont... Elles sont pas... Elles sont dures. Voyons. En quoi ils disent que c'est... Est-ce qu'ils disent... Non. Love to craft. C'est du craft. Vous voyez. On va faire. Alors moi, j'ai bien aimé... Non, c'est pas du... C'est du pa... C'est du carton. Voilà. Je vous montre. J'ai bien aimé parce qu'elles sont, contrairement à celles de Action, elles sont autocollantes. Je crois. Même pas. Ah! Moi, j'ai pris le papier de derrière, vous voyez, plein. Comme quoi que c'était du double face. Voilà, qu'elles étaient autocollantes, qu'on décollait, vous savez. Pas du tout. Comme je n'aime pas du tout ouvrir les paquets à nose, je trouve que ça se fait pas. Et puis, fais attention. Voilà. Bon, après, c'était pas excessivement cher. C'était 99 centimes. Et du coup, j'en avais pris un deuxième. Qui a coulé. Oh, parfait. Sur mon canapé. Donc ça, c'est pas top. Ça, ça m'est un peu complètement égal. En fait, si vous voulez, c'est là. C'est ça qui a pris. Voilà. Donc ça, c'est pas gênant. Ensuite, il y avait plein de papiers en 15-15. Et moi, j'en ai pris qu'un seul à 1,50€. C'est la marque Paper Addict. Je pense que c'est toujours Docraft. Voilà. J'ai bien aimé les tons. Après, il est très fin. Vous savez, ça rappelle un peu le papier d'Action. Il m'a rappelé des papiers des années 70. Vintage. Très joli. Rétro Daz. Dedans, ces papiers 15-15, vous en avez 2 et 18 designs. Vous en avez 30 avec 18 designs. 100 grammes. Voilà. Ça, c'était l'arrivage d'Ocraft. Ensuite, à côté de l'arrivage d'Ocraft, avant de passer, vous aviez la marque Dot & Dab. Voilà. Qui était avec de la colle. Vous aviez notamment un gros carton avec 12 tubes de colle dedans. À 6,99€. J'ai hésité à le prendre. Mais après, je me suis dit, si la colle, elle vaut 0, tu te retrouves avec 12 pots. Qu'est-ce que tu vas faire de 12 pots s'ils ne sont pas bien? Donc, moi, j'ai pris à 79 centimes comme les... Allez, c'est quoi le nom? Permettre de coller au mur. Vous avez la pastille de 3M. Ça va pas me revenir. Je cherche plus. Ça va pas me revenir. Voilà. Dot & Dab. Et toujours de la même marque, j'ai pris pour 79 centimes des petites patches double adhésive. Ça pour me coller des choses, on ne sait jamais. Et ça a collé parce que à le voir briller comme ça. Voilà, pour 79 centimes. Je crois que c'est des Dots. Vous savez, comme des pastilles de double face. Ouais, c'est ça. C'est des petites pastilles transparentes. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra. Voilà, on voit le petit ronde. Et en fait, vous collez et ça vous fait du double face. Donc, dedans, il y en a combien?
transparent, 10 mm. 200 pièces, voilà. Pour le scrap, des fois, ça peut dépanner. Sans acide. Voilà, sans acide. On peut y coller les photos, même. Voilà, pour 79 centimes, j'ai dit. Ça m'a rappelé les anciens trucs qu'on avait. Qu'est-ce que je vais dire? Les anciens qu'on avait il y a très longtemps. Qui étaient de... Au tout début que j'ai commencé le scrap, vous aviez ces pastilles, on trouvait ces petites pastilles. Ensuite, j'y suis allée aussi, donc je vous l'avais dit, pour l'arrivage d'Okra, Santoro. Gorgeous. Vraiment, les prix. J'en ai des gorgeous, des vrais. Hein. J'en ai pas beaucoup que je m'étais offert au tout début que j'ai commencé le scrap. J'en ai deux. Croyez-moi, je ne les ai pas payés ce prix-là. Voilà, la théière. Façon Alice. Et la cœur, je ne sais plus quoi. Voilà. Je me les étais offertes. Un petit craquage perso. Sincèrement, je m'en suis servi, je crois, une fois. Celle-là, je m'en suis servi deux fois. Et celle-là, une fois. Parce qu'après, il faut faire de la colorisation. Et... Je ne suis pas tout. Mais bon, là pour l'arrivage de craft, j'y tiens un gorgeous. Alors, dans l'arrivage, vous aviez donc ceci. C'est des petits autocollants. Donc, vous en avez deux planches identiques. Voilà. Pour 1,50€. J'ai plein de choses gorgeous que j'ai regroupées. Qui était sticker, tout ça, que j'ai regroupé, qui sont dans la nouvelle maison. J'ai fait un étage, je pense que je ferai un côté, rien que des gorgeous. J'adore ça. Voilà. C'est mon petit dada. Dans les tampons, vous aviez pour 3,50€ celui-ci. Voilà. C'est vraiment des tampons comme ça que je recherchais. Bien sûr que je n'ai pas trouvé. C'était le seul que j'ai trouvé. On le voit. La petite gorgeous avec son ballon, le portrait. Voilà. Alors, des fois, elles avaient des noms. Gorgeous London. Bon, je vois pas. Il y avait celui-ci. Et après, vous aviez des toutes petites gorgeous pour 1,50€. Donc, j'ai trouvé à collectionner. Trouvé celle-ci. Numéro 52. J'ai trouvé celle-ci. Numéro 46. Wayborn Dreams. Et là, c'est Waiting. Attendre. Wayborn Dreams. Parce qu'elle est en train avec son petit tampon. Qu'est-ce qu'ils mettent? Include collector character card avec une petite carte de collection. J'espère que la carte n'est pas trop grosse. Celle-là, elle a chargé. Donc, on va l'ouvrir et on va la regarder. Et la dernière, ah, mais super, ils ont collé l'étiquette juste dessus. Donc, je ne peux pas vous dire le numéro, mais elle était mignonne comme tout. Ouais, parce qu'ils ont bien collé la chose dessus. Voilà, voilà, voilà. Et bien, c'était ça, l'arrivage gorgeous, l'arrivage de craft. Après 25 minutes et un bon trempage de doigts dans de l'huile essentielle, voilà tous mes achats que j'ai effectués. J'étais ravie de faire cette petite vidéo avec vous. Après, je pense que je serai un petit peu moins présente sur YouTube. Ça me manque, je vous le dis sincèrement, ça me manque beaucoup. Je regarde les vidéos de toutes les filles, histoire de suivre ce qui se passe. Aussi, il y aura l'aspect financier dans quelques temps, je pense, dès que je serai à la maison, parce qu'il y aura beaucoup plus de frais. Dans mon malheur, j'avais déjà signé le contrat d'électricité avant toutes ces augmentations, donc j'ai le prix garanti pendant 2 ans. Mais après 2 ans, je crains le pire. Je crains vraiment le pire. On
verra ce que ça donnera. Tard d'y être. Je perds des années, des mois. Précieux, j'ai perdu un an. Fin février, il y aura un an que j'ai eu les clés. Voilà, on a encore travaillé dessus. Bien. Je trouve le temps très long. Voilà. Bon, je vous fais à tous de gros, gros bisous. Je vous dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère trouver l'envie de filmer. Bon, je l'ai, l'envie. Le temps. Plutôt ce qui manque. Bon, maintenant, on va tout ranger. Chose que j'étais en train de faire. Ce soir, je me suis dit, faut ranger. Donc, on va ranger. Je vous fais à tous et à toutes de gros, gros bisous. Je vous dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. À bientôt.